61 mètres de longueur, 26 de largeur, partagé par deux équipes pendant 3 fois 20 minutes. Et comme au hockey, il faut toujours un vainqueur, pas de risque. 2-0-0. 5 joueurs de champ, un gardien de but, tous bien protégés et on comprend pourquoi. Des chocs pourtant appréciés par les joueurs. On arrive en catégorie cadet et que les charges sont autorisées, forcément, on va vouloir en donner. Les qualités athlétiques sont donc utiles, mais pas primordiales. La vitesse, c'est très important. Donc vitesse de passe, vitesse de réaction, vitesse de patinage. C'est pas le sport le plus rapide au monde pour rien. Un jeu rapide sur lequel l'arbitre central et ses deux assistants sont chargés de veiller. En cas de faute ou de mauvais comportement, différentes sanctions sont à leur disposition. Deux sortes de pénalités différentes. Il y a les pénalités mineures où l'équipe va évoluer avec un joueur de moins. Et les pénalités majeures où le joueur qui a fait la faute ne va pas pouvoir jouer, mais son équipe restera quand même à 5 contre 5. Le hockey, un sport alliant le spectacle à la technique et auquel vous pouvez vous exercer à la patinoire Serge Charles de Wascal pour un jour, peut-être, devenir vous aussi un champion.